Donc, comment s'y prendre? Galates 5, versets 14 à 17. Galates 5, versets 14 à 17. Une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà. Si vous, la culture française, enfin, dans la Bible, n'a pas sa base, sa signification en français. Il faut aller dans la culture, à la source israélienne ou africaine. Quand on dit des gens, c'est moi qui se dévore avec le corps. Bon, ça c'est français. Tu vois, tu as passé à côté. Quand on dit, vous vous mordez, vous vous dévorez, ça veut dire quoi? Vous querellez? Hein? Les querelles? Vous voyez, c'est ça le problème. Il faut le dire à ton patron. Vous vous mordez, vous vous dévorez. Quelqu'un n'a qu'à dire à son patron et puis traduit mot à mot. Bon, ça vous se fait du mal en fait. Il s'est mordé, il s'est dévoré. Il se critique. Vous êtes en train de me manger derrière là, je suis là. Vous n'avez jamais vu ça? Vous me calomniez. Ça c'est manger. C'est mort. Vous voyez? Français nous a éloigné même de nos cultures. C'est une culture orientale, beaucoup plus juive et encore plus rationnelle. Je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup choqué et touché. Il est écrit dans la Bible que l'homme mangera à la sueur de son nez. Mais dans la Bible hébraïque, on dit qu'il mangera à la sueur de son nez. Je travaille jusqu'à les sueur de mon nez est tombé sur le sol. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez pourquoi je parle d'adaptation. Si vous continuez à vous calomnier, l'autre a dit, les calomnies, ça fait plus de mal. C'est ce que l'apôtre Paul et Pierre dit, et Jacques dit, un simple petit brasier peut embraser. Quelqu'un a commis la publicité, il a commis la vie. C'est avec qui il a chuté. C'est lui qui veut dire. Mais si j'ai bien dit, est-ce que vous savez que l'évangéliste m'a dit, que le pasteur Gaillé a dit, que c'est comme ça. Que l'évangéliste est comme ça. Il n'est pas sérieux. Voilà ce qu'il a fait. Il a volé son argent. L'évangéliste a fait ça. C'est-à-dire celui qui a entendu ça d'abord est mort. L'évangélisme qui a eu la nouvelle est mort. La cour qui est peut-être pas ce qui n'est pas dit. Il y a trois personnes qui sont mortes. Écoute. Un seul titre, toi. L'autre part dit, on dit ma soeur, pourquoi est-ce qu'elle est triste? Vraiment, c'est que j'ai appris aujourd'hui. Il est déjà mort. Maintenant, je ne vois pas. Et le ciel dépose la pompe, l'autre va déposer la pompe. C'est comme la lampe, elle est petite. Comme le gouverneur du bateau, c'est lui qui dirige. Elle est capable d'embraser tout le monde. On m'a dit hier, elle est comme avec toi, c'est ma soeur. Quelqu'un m'a dit de toi, c'est pas bon, hein? La Bible dit, mon frère, faut même pas tendre l'oreille pour savoir ce qu'on a dit de toi, sinon tu vas trouver ton propre, c'est fait par le mal de toi. Vous n'avez jamais vu ça? On appelle ça les calomnies. Celui qui calomnie, il veut faire venir la honte